Okay. Oh bordel. J'avais oublié que ces conneries-là, ils couraient. Alors là, on doit avoir l'adjuvant, je suppose. Ah, c'est l'antigène. La musique. La musique, elle est incroyable. Non! Oh bordel. Oh bordel de merde. Oh bordel. Oh putain. Alors ça, je le dirai tout à l'heure. Ils sont stockés dans les lagos d'incubation. Ouais, frère, j'étais au courant, merci. Heureusement que tu me l'as dit parce que je ne savais pas ce que j'aurais pu faire sans toi. Oh, la musique, elle est extrêmement. Bien. Incroyable. Ça doit être l'alimentation. Oh, ça on refuse pas hein. Ça on ne refuse pas. Un petit cadeau Non mais c'est ici qu'ils les fabriquent. Non alors par contre, je suis désolé mais moi ils me foutent un. Non les gars me les faites me... Non. S'il vous plaît, faites en sorte qu'il ne s'ouvre pas. S'il vous plaît. Alors, ça va pas fonctionner. Ah si, ça fonctionne. Le couteau, il a pas de... Il a pas de... Comment dire? Il est pas comme dans RE2. Regarde, il n'y a pas de barre de vie au couteau. Tu l'as jusqu'à la fin, en fait. Oh, la musique, elle est tellement intense. Oh là. Ok, d'accord. Ok, d'accord. D'abord, permettez-moi de m'adresser à mes sincères félicitations à vous et vos collègues d'Umbrella Europe
pour avoir terminé Nemesis, une réalisation vraiment remarquable dans le domaine de la recherche sur les armes biologiques. Introduire un organisme parasite dans le cerveau d'un tyran pour en prendre le contrôle externe? Je ne peux que m'incliner devant une idée aussi folle. Néanmoins, d'un point de vue médical, je dois bien avouer que je désapprouve ce changement par rapport à la politique établie par Umbrella. Selon moi, l'utilisation de parasites crée un dangereux précédent. Les virus peuvent être contrôlés. Je crois qu'un vaccin efficace peut être développé pour n'importe quel virus sur Terre, moyennant un financement. Et des échantillons suffisants, bien entendu. Mais pouvez-vous en dire de même des parasites? Les médecins ont essayé en vain de développer un vaccin contre le paludisme. Des parasites comme Plasmodium sont bien plus complexes génétiquement que le virus T et pensez qu'ils sont contrôlables de la pure folie. Peut-être que dans votre pays, les consommateurs sont disposés à acheter des automobiles sans frein, mais ici en Amérique, ce n'est pas le cas. Ceci dit, je me souviens que vous êtes diplômé d'économie, alors j'imagine que vous avez sans doute déjà élaboré une stratégie marketing brillante pour convaincre les sceptiques. J'attends avec impatience votre conférence au Forum de Berlin le mois prochain. En attendant, je vais tenter de trouver des solutions médicales à ce problème que vous nous avez imposé. T'as pas un plus gros couteau? Non. De la poudre noire. Bordel de cul. Est-ce que vous le sentez venir le... Là, regardez, on va descendre. Vous le sentez venir là? La douille? La piquette? Ah, parce que moi je le sens venir là, la piquette. Hein. Il y en a un. Au moins un là. Deux. Et voilà. Oh bordel de cul. Oh mais quel bâtard! Mais attendez. Un scandale, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Arthur, comment... J'avais oublié ce détail. Oh vas-y, tue-moi. Ça devient dur, hein. Ça devient compliqué à survivre. Hein. Puis je me dis, on est bientôt à la fin. Vous avez vu le peu de munitions qu'on a? C'est un scandale. C'est scandaleux. Oh merde, c'est pas ça que je voulais faire. Un adjuvant. Combiné aux antigènes, ça augmente la réponse du système immunitaire. Comment je vais faire? Réfléchis.
Mais frère Oh putain. Oh putain. Oh putain. Ah putain! Quel enfer! Mes aïeux, quel enfer! Comment je vais faire quoi? Mid high low. Ah non, attends, attends, attends! Oula, regardez pas sous ma jupe, hein! Non mais je vous vois là! Comment tu fais pour tirer? J'ai plus de balles. C'est pas le même labo. Là, on est dans le labo en dessous de l'hôpital. Non. Je sais pas si je dois appuyer tout le temps ou si je dois... Je sais pas ce que je dois faire. Faut que je reste appuyé ou pas. Ça a l'air qu'il faut, j'ai l'impression qu'il faut que je reste appuyé. Dans ce cas, c'est un peu à chier quoi. Ah, on n'est pas dans la merde hein. Les gars, j'ai un problème. Et les filles, bien sûr. J'ai plus de munitions. On fait comment pour affronter Nemesis quand on n'a pas de munitions? Quelqu'un a une idée intéressante à me donner parce que sinon voilà quoi. J'ai encore ça que je vais garder. Vas-y, on va tout prendre. On va tout prendre. De toute façon, là, c'est la dernière ligne droite. Au couteau. Non, mais... Vous êtes des malades.
Ben. Oh bah. Pff. Encore pire. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? Oh génial, des grenades. Dis donc, ça sent la zone de boss, hein. Enfin, moi, je sais pas. Ouais. Ouais. Ça pue la zone de boss, ça. Oh, le mur invisible, sérieux? Oh là là, le mur invisible! Ah! J'ai l'impression que Nemesis, ça veut encore. Il a pas fini, hein. Aïe aïe aïe, ouais t'as oublié le vaccin, hein cocotte. Ah, mais qu'avons-nous ici? Nikolai, non! La ville a besoin de son vaccin! Plus que moi? Apparemment, mes conseils ne sont toujours pas rentrés dans ta petite tête. Oui, je sais, pour toi la vie ça n'a pas de prix. Mais moi, je suis là pour gagner du pognon. Faisons un marché. Descends là-dedans. Affronte le Némésis. Et j'enregistre tout ça pour vendre les données de combat. Assure le spectacle et... j'aurai peut-être pas besoin du vaccin. Deal ? Bien. Ouais, bah ça sent pas bon, cette histoire. Ça sent pas bon, c'est moi qui vous le dis. J'ai l'impression qu'on va devoir recommencer le boss plusieurs fois parce qu'on n'y a plus beaucoup de munitions. Oh bah des munitions. Écoute mon copain, t'es pas obligé de faire ça. Ah bah d'accord. On peut trouver un arrangement, hein. On peut trouver un arrangement. Oh, chaque fois il arrive à m'avoir ce bâtard. Tic. Oh non, mais quel enfer. Non mais tu me prends dans un coin, t'as pas honte? Oh là. Bah non, c'est... Non, moi, c'est Valérie. Laisse-moi te guider. Bonne idée. Jules, c'est toi qui me dis... Non. Je le gros con. Ça va, le son est pas du tout trop fort. Je me suis pas du tout niqué les oreilles. Oula, oula. Attention, t'as de la compagnie. Comment ça, j'ai de la compagnie? Non mais frère, t'as pas l'impression que c'est suffisant? J'ai pas de munitions moi. Oh bordel de merde. Y'a pas quelque part où y'a des... Le réservoir 8. Numéro 8. J'avais compris, merci. Incroyable ce mec. Je peux pas les buter, je peux pas me permettre de perdre des munitions. Le problème c'est que je sais pas ce que... Ah mais putain, peut-être que je tire dans... Ah voilà. Je vais le déglinguer.
Mais gros, non mais il le fait exprès, j'ai l'impression. Wow! Ah, chaque fois il m'a, bordel! Chaque fois il m'a! Grenade incendiaire, au KLM. Y'en a d'autres qui arrivent! Ouais, j'ai pas le temps, frère. Il veut pas la fermer sa gueule. Numéro 8. Ok, je m'en occupe. Ah ouais, bah occupe-toi-en, hein, frère. C'est pas ce que je disais. C'est pas aussi. Ouais. Oh là, le bâtard! Mais tu fais quoi? Tu fais quoi? Wow! Y'en a d'autres qui arrivent! Mais ta gueule! Attention! Oh là, quel enculé! On appelle ça l'enculade! Wow. Oh pff. La caméra est trop proche, Mayday, Mayday. Oh putain, j'ai plus de balles, j'ai plus de balles, j'ai plus de balles. Des balles nulle part. Oh putain, il est trop loin. Oh non, sa mère. Oh non. Miséricorde. Miséricorde et boules de gomme, nous voilà très mal partis. Oh non, non, quel enfer, quel enfer. Oh non, putain, non, s'il vous plaît, me faites pas. Oh bah, il a déglingué le zombie. Oh, quel bâtard. Dégage. J'ai un problème. Oui, mais ça j'avais compris, frère. Oh, quel bâtard. Ah, quel bâtard. Continue. Je pense qu'il en a plus pour le moment. Non. Putain. Vous pouvez pas dire ça plus tôt.